I swore to protect this island with my life. Never once betraying my code. Until today. Tiennent ton oncle à l'intérieur. Les murs sont infranchissables. Nous devrons faire diversion afin d'entrer. Non. Nous entrerons par la grande porte. Khotun Khan a brûlé notre plus fine lame, humilié mon oncle, massacré les guerriers de Tsushima. Je compte bien lui rendre l'appareil. En réitérant les erreurs qui ont coûté leur vie à tes amis? C'est ce que penseront les Mongols. Mais cette fois, je frapperai le premier. Attends ici que j'en finisse. Je viens voir le seigneur Shimura. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Ghost of Tsushima sur PlayStation 4. Édité et développé par Sony et Sucker Punch, sortie officielle le 17 juillet 2020 et Peggy nous le déconseille comme vous avez sûrement pu le constater, au moins de 18 ans. Qu'est-ce que Ghost of Tsushima? Nous incarnons le héros Jin Sakai, un samouraï devenu malgré lui, optant pour la voie du fantôme suite à l'invasion mongole de l'île de Tsushima. Il est le dernier, du moins l'un des derniers rares survivants de cette attaque. Celle-ci même s'étant déroulée en 1274, attaque menée par l'un des descendants du grand Genghis Khan. Jin Sakai, lui et son peuple ayant été abattus sauvagement, laissés pour mort sur la plage de son village, reviendra d'entre les morts comme si son destin était écrit, afin de mener une quête de vengeance envers le conquérant, et cherchant également à libérer son oncle aux mains de cette même personne. Maintenant que vous êtes situé dans le contexte, je fais une brève parenthèse pour citer l'un des plus gros points positifs qui a fait mouche chez moi. Vous savez, pour ceux qui regardent la plupart de mes tests gameplay, je suis un grand fan de voxographie, j'adore le doublage, je suis passionné par les voix françaises. Pour faire la voix de Jin Sakai, si vous mettez bien entendu le jeu en français, car il vous est proposé ou en français ou en japonais sous-titré, sa voix est celle du grand Damien Boisseau, voix de Bill Compton dans la série True Blood entre autres, ou plus généralement celle de Matt Damon dans la plupart de ses films. Si je tarde à revenir, réfugie-toi dans la forêt. Actuellement, je me trouve au prologue du jeu. Est-ce que c'est du spoil? Non, pas tant que ça. Annoncé depuis déjà 2017, si vous n'avez pas vu les trailers du jeu, eh bien là, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. C'est une scène qui a déjà été montrée partiellement, pas dans sa totalité, certes, car je voulais quand même un petit peu de nouveauté, mais je voulais également quand même vous montrer le début du jeu pour vous faire comprendre à quoi vous attendre, à quoi il en retourne dans ce scénario, qui est franchement assez impressionnant. J'ai eu cette chance, grâce à la rédaction, de recevoir le jeu bien en avance. Je l'ai déjà terminé, et je le recommence donc en vous montrant les phases de gameplay qui sont pour moi décisives à l'appréhension et à la compréhension du jeu, qui pourra également vous donner solution, réponse à votre question sur est-ce que je vais me prendre Ghost of Tsushima le 17 ou pas. Battez-vous ! La confrontation est un des aspects très très récurrents du jeu, avec un brin cinématique, avec un angle de caméra vraiment super bien adapté pour que ça fasse mouche, comme vous pouvez le voir, c'est assez impressionnant. Jin Sakai ne se résume pas à couper du mongol, bien entendu. Vous allez avoir affaire à différentes missions dans le jeu. Mission principale, secondaire, puis annexe. Par annexe, qu'est-ce que j'entends?
Vous aurez des animaux à suivre dans ce gigantesque open world que nous propose Sucker Punch. Des animaux qui vous conduiront à des sources thermales, à des petits défis de bambou à couper avec votre katana sous forme de QTE. Tous ces défis, toutes ces trouvailles dans le jeu feront que vous pourrez augmenter votre santé et vos compétences. Un aspect RPG est présent dans le jeu, mais comme Khan est en train d'arriver, je vais vous laisser profiter de cette scène. Je suis Jin Sakai, le neveu du seigneur Shimura. Je suis venu pour venger son honneur. Jin, ton oncle m'a raconté beaucoup de choses à ton sujet, Jin Sakai. Je vais lui montrer son neveu, brisé et humilié, implorant de rejoindre mon empire. Jin, non ! Ton heure est venue, Seigneur Sakai. Vous doutez bien que dès le début du jeu, affronter ce que l'on estime être le boss final, ça va pas se faire. Vous vous rappelez des premiers combats un petit peu à la Dark Souls qui vont vous montrer que « Ah, est-ce que ce jeu est négociable ?»« Non, tu vas en chier ta race, mon pauvre !» Effectivement, ce combat ne peut être gagné à moins de mettre un temps ultra conséquent. Et puis, même en adaptant la pose adéquate pour pouvoir le négocier, il ne veut pas m'attaquer. Il ne fait que repousser ma garde. Donc j'essaie de le provoquer. Quelques phases de quand on entrechoque nos lames qui est scripté forcément, mais bizarrement j'aurais dû déjà lui mettre 2-3 coups. Faut croire en fait que c'est scripté au niveau du temps. Comme quoi, même en recommençant le jeu, j'en apprends. Des boss phases, il y en aura. Elles se présentent sous cette façon. Ah oui, d'accord. En fait, non. Il m'enchaîne parce que ça, je suis censé l'esquiver et je l'ai pris dans la gueule, je sais pas pourquoi. Ok, ouais. Non, ben ça peut pas... Ouais. Je suis pas encore assez préparé pour pouvoir le combattre. Assez. Rends-toi. Montre à ton oncle comme il lui serait facile d'apporter la paix à votre île. Petit enchaînement direct, on fait une petite ellipse et je vous présente donc une mission secondaire. Parce qu'on va pas non plus pousser le spoil trop loin. Le début, c'est déjà pas mal de vous l'avoir montré plus en détail que les façons partielles et bridées des premiers trailers qu'on a connus en 2017. Actuellement, pour vous situer un petit peu, j'organise ma vengeance et je suis à la recherche de guerriers ayant survécu aux attaques voisines des Mongols sur l'île de Tsushima. Je suis à la recherche des Mugiwara, les guerriers au chapeau de paille. Il s'agit de la première mission qui nous met en contact avec le premier Mugiwara. Ils sont assez habiles. Yuzo, on dirait un épouvantail. Tu ne t'es pas regardé. Tu me rends mon chapeau? Alors, tu es mercenaire? Guerrier professionnel. Tu peux peut-être m'aider. Je cherche votre chef. Il est mort sur la plage de Komoda. Vous étiez là, vous aussi? J'y ai perdu beaucoup d'amis. Comme nous tous. Nous pouvons les venger en unissant nos forces. Aide-moi à sauver le seigneur Shimura.
Alors, il est vivant? Les chapeaux de paille ont souffert. Ils sont affamés. Ils ne peuvent pas tout risquer pour seulement un homme. Même s'ils peuvent en tirer avantage? Quand nous aurons libéré notre terre, le Seigneur Shimura vous récompensera. Votre prix sera le sien. Mes hommes seront peut-être intéressés. Tes hommes? Je m'occupe d'eux. Quelqu'un doit le faire. Tu es d'accord? Je vais y réfléchir. Tiens ta position. Comme toujours. Allez, un petit combat. Mais ça va. Deux phrases, normalement, je maîtrise. Je serai capable de vous parler tout en jouant. Un gameplay assez basique, mais monstrueusement efficace. Carré des attaques légères, triangle des attaques lourdes, maintenez triangle pour l'attaque spéciale de votre posture. Quatre postures vous seront proposées durant le jeu, que vous allez acquérir en fonction de votre expérience gagnée au fur et à mesure du jeu. Vous avez la posture de la pierre, efficace contre les soldats à l'épée. La posture de l'eau, efficace contre les soldats ayant un bouclier. La posture du vent, contre les lanciers et ceux qui ont des haches longues. Ou la posture de la lune, contre les ennemis physiquement imposants. Quatre styles de gameplay pour plus d'ajouts dans le jeu, plus d'amusement et de prise de décision. Ça vous permet quand même de, malgré un gameplay simpliste comme je le dis, de vous sentir un petit peu responsable de vos actes et de faire la part des choses en tirant votre épingle du jeu en fonction des coups que vous allez donner. En bas à gauche, vous avez du coup mes consommables que je peux utiliser, des kunai à jeter pour briser la garde avant de leur foncer dessus. Vous avez ensuite ma barre de vie ainsi que ma jauge de détermination, montrée avec les petits cercles jaunes. Une fois utilisées, vous pouvez claquer certaines attaques assez puissantes ou même avoir une barre de vie plus conséquente. Revenons donc à la barre de vie. Je vous parlais précédemment des missions annexes. Les missions annexes vous permettent donc de débloquer des lieux ou de faire des activités pour augmenter votre personnage. Les missions secondaires, elles, vous rajouteront juste du temps de jeu, mais si vous les faites, vous aurez des armures, des cosmétiques, des points de compétences supplémentaires. Ce n'est pas négligeable. Et les missions principales, bon, je vous apprends rien, ça vous fera avancer dans la trame scénaristique du jeu. Pour en revenir à l'aspect RPG du jeu, j'ai parlé du coup de cette santé et des upgrades de compétences, mais vous avez également du crafting. On y viendra plus en détail une fois que la mission sera terminée, je vous montrerai avec précision quelques parcelles du menu de crafting et d'upgrade. Cette mission secondaire, c'était uniquement de la baston et du recrutement. Bien entendu, vous n'aurez pas que ça en tant que mission secondaire. Vous avez aussi des phases d'infiltration, avec la discrétion qui est de mise, forcément, ainsi que des otages, parfois. Si vous intervenez de façon trop brutale, trop bruyante dans certains endroits, il se peut qu'il y ait des otages dans ce même endroit, et que les Mongols décident de flinguer les otages avant de venir vous attaquer. Si vous les libérez, vous aurez quelques points de compétences d'expérience supplémentaires. Vous nous voyez galoper à travers les plaines. Le cheval aussi, vous allez pouvoir le choisir entre trois couleurs et vous pourrez lui donner entre trois prénoms. Ce qui est plutôt bien fait au niveau scénaristique car des lignes de dialogue ont été enregistrées par trois pour pouvoir appeler votre cheval en fonction du nom que vous allez lui donner. Vous aurez également noté la présence de RCM, de réponses à choix multiples. Si on parlait un petit peu aussi des points positifs et des points négatifs du jeu. En point positif, qu'est-ce qu'on pourrait noter? Premièrement, le graphisme. Incroyable. Parfois, en fonction des endroits, peut-être que certaines contrées sont mieux définies que d'autres, mieux développées. Dans certaines autres contrées, quand il faut aller rapidement d'un point A à un point B, quand vous êtes poursuivi ou autre, on sent que c'est pas aussi bien modé que ça devrait l'être. Mais bon, si tout le jeu devait être fait avec la même patte graphique au pixel près, on aurait un jeu bien trop lourd, et bon,
Ce n'est pas depuis aujourd'hui que les jeux vidéo, que les développeurs procèdent de cette manière-là. Le jeu est dans son ensemble très beau, avec un système de cycle jour-nuit qui franchement force l'immersion. C'est vraiment un point à noter. La bande de son, qui est excellente, autant sur les effets sonores que les dialogues, que les voix choisies, qui sont vraiment excellentes. Le gameplay, à y revenir, je vous le répète une fois de plus, très simpliste, mais cruellement efficace. Pour les gens qui ont plus envie de découvrir un jeu sans forcément se prêter à du combat non-stop, Ghost of Tsushima est un jeu que l'on va faire pour son histoire, pas pour le gameplay qu'il a à nous offrir. Il fait partie de cette gamme de jeux dits poétiques, avec un scénar aux petits oignons, clairement. Un 16,5 pour moi, c'est une note qui le reflète assez, même si personnellement, je monterais même peut-être à 17 pour un jeu pareil. Les points négatifs, les PNJ parfois dans les cinématiques, un peu trop raides, quand ils se tournent et qu'ils font directement un virage à 90 pour vous regarder, on perd un petit peu en intensité, on perd en immersion dans le jeu, on ressent à nouveau les mécaniques de jeu pas dignes de 2020. Les arbres aussi, un arbre sur deux peut être traversé, il n'y a pas de collision même quand vous rentrez à pleine vitesse avec un cheval dans de la pierre ou dans un arbre qui serait vraiment modélisé. Est-ce que ça nous fait perdre aussi un petit peu d'immersion? Oui et non, quand on va très très vite avec un cheval, on est parfois aussi rassuré de ne pas se prendre un bambou dans la gueule. Et enfin, en dernier point négatif, certaines tenues par rapport à l'angle de caméra. Certaines tenues vous donneront des capes. Et parfois il y a des caméras, vous savez, au niveau de la hanche. On regarde uniquement la hanche avec la main droite ou la main gauche de Jean. Et l'ennemi est en face. Si vous portez une cape, vous ne le voyez pas. Et quand vous avez une confrontation à faire et que vous devez lâcher triangle au bon moment et que la cape vous empêche de voir quand est-ce que l'ennemi va attaquer, il va vous ouvrir la gueule comme un livre, en effet. Donc le jeu vous restreint, malheureusement, par son système de vision, à opter pour diverses armures qui parfois ne sont pas très très jolies, malheureusement, et de faire l'impasse sur de belles armures à cause de ce foutu angle de caméra. La mission est maintenant terminée, ce sont les dernières lignes de dialogue avant que je puisse avoir quelques points de compétences et vous les montrer dans le menu de crafting et d'upgrade. Un petit dernier point positif aussi, vous avez un autre style d'interaction supplémentaire, la création de haïku, de poèmes japonais. En fonction de l'endroit où vous allez vous trouver, il se peut que Jean ait envie de méditer et de faire une réflexion sur la vie, la joie, la peur, la mort. En fonction de ces mots qui vont être dits, vous allez devoir regarder à divers endroits de la map où vous vous trouvez, vers des endroits plus sombres si vous devez faire une réflexion sur la mort. Et si vous enchaînez un combo de 3 beaux vers, eh bien un poème du coup va être cité par Jean et vous allez avoir un cosmétique, un upgrade qui va se débloquer. Plus il est raccord avec votre sens de réflexion, plus l'upgrade sera efficace. Et ça, c'est vraiment sympa, on se sent impliqué dans la décision de votre personnage afin de le faire augmenter en capacité. Revenons donc à l'arme fantôme que l'on peut sélectionner. Je vous l'ai dit, Jean accède à la voix du fantôme, qui n'est pas une voix très réputée dans celle du samouraï, car le samouraï se bat avec honneur, alors que Jean va plutôt faire des kills en grosse discrétion, et normalement un samouraï est censé regarder dans les yeux son ennemi pour l'affronter et le tuer avec honneur. Et ça déroge un peu à la règle. Les bruits étranges attirent le carillon. C'était la première que je m'étais prise dans mon premier run, c'est très efficace pour détourner l'attention de l'ennemi. Après, bien sûr, vous voyez, vos armes fantômes peuvent être upgradées, que ce soit pour le carillon qui se transforme en pétard ou plusieurs lames de kunai en plus. Vous avez également les techniques évolutives qui peuvent être upgradées, à savoir que je n'ai qu'un seul point de compétence pour améliorer la technique. La confrontation en chaîne, c'est plutôt pas mal. Concentration, ça, je me l'étais pris, je pense que c'est ça que je vais me prendre. C'était le premier que j'avais pris, et faire un bullet time avec des flèches, c'est plutôt pas mal. Faire rond avant de chuter, et l'écoute lointaine, mais bon, ça c'est le dernier truc que je m'étais pris. On va partir sur de la concentration. L'arsenal, vous avez donc des charmes à équiper sur vos épées, pour votre katana et votre tanto, pardon. Ensuite, les tenues, tête, bouche et torse, à équiper en fonction de vos envies.
les armes de jet et les armes à distance, et enfin les accessoires pour choisir la selle de votre cheval ou l'instrument de musique que vous voulez jouer. Le journal qui vous permet ensuite d'accéder à la carte avec le petit open world. Je ne suis qu'au sud de Tsushima et ensuite j'aurai le nord à faire. Quand vous arrivez au nord, vous êtes à peu près à la moitié du jeu. Donc voilà, je vais enchaîner avec une dernière phase de gameplay pour vous montrer quand même un vrai boss phase où est-ce que je peux éventuellement gagner. Donc voilà, je vais scinder et je vous retrouve de suite. Les armes dans le jeu. Il faut les trouver sous forme de quête, pour certaines. Actuellement, à ce moment-là du jeu, je dois trouver un arc démoniaque. Je l'ai touché, et voilà dans le monde de What the Fuckesque que dans lequel je me trouve. Un mec avec un masque de Tengu m'a mis en garde plusieurs fois, mais au final, je ne l'écoute pas et je veux l'arc. Ça se termine forcément par un combat. J'ai choisi ce combat-là, déjà parce que, bah bizarrement, j'en ai chié. Vous voyez ma barre de vie, certes, qui a augmenté depuis, parce que c'est pas juste à côté, j'ai dû un petit peu jouer. Ainsi que ma jauge de détermination qui a pris un petit peu plus d'orbes. Mais ce combat est assez sympa parce que, bah, graphiquement, on est entouré de corbeaux, l'herbe est rouge. Enfin, je trouve que ça fait un style complètement différent. Quand il attaque avec un petit scintillement rouge, il faut l'esquiver. Quand c'est du bleu, on ne peut pas l'esquiver. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment reculer comme un enfoiré. Je m'inquiéterai des malédictions plus tard. Voilà. Bon, j'ai claqué mon attaque qui était impossible à parer. Et le frappe divine, comme ça, ça counter le point bleu. Vous pouvez claquer certaines de vos orbes de détermination pour prendre l'ascendant sur votre adversaire. Et ça va, il me met pas trop de coups. Il est assez prévisible. Mais au moins ça vous permet de voir un boss phase. Et en plus j'ai une nouvelle armure. Vous pouvez voir aussi à quoi ça ressemble. Ah, la posture de l'eau, elle fait vraiment très mal. C'est ainsi que je vais pouvoir récupérer l'arc maudit. Un arc long qui permet de tirer des flèches lourdes pour les ennemis un peu plus blindés et des flèches explosives. Et ça franchement, ça fait très mal. Allez, vous savez quoi, avant vraiment de mettre un terme à ce gameplay découverte, hein, on va se balader jusqu'à... Enfin, je vais me balader jusqu'à un moment où est-ce que je vais trouver des bandits mongols. Et je vous montre de quoi cet arc long est capable. Bon, il y a des types qui se fritent en bas. On va du coup descendre la falaise. Ça me permet aussi de vous montrer comment il descend. C'est assez simple, hein. Juste le joystick en direction de l'endroit où vous voulez qu'il escalade ou qu'il descende, et il le fait automatiquement. Qu'est-ce qu'il est rapide ce cheval, on le laisse en haut et il est déjà là. Oh là là, la magie du jeu vidéo, incroyable. Les voici en train de se friter avec des paysans. Tu vas goûter à ma lame. Stiush. Voilà qui est fait. C'est l'heure de faire péter du mongol. Il a disparu. Ça fait vraiment trop mal, c'est incroyable. Enfin voilà, vous avez pu voir donc la puissance de l'arc. J'espère donc que tout ceci vous aura hypé pour vous prendre ce jeu. Croyez-moi, il est vraiment à faire. Il est vraiment exceptionnel. C'est avec un gros plaisir que je le recommence. Sur ce, je vais donc vous laisser en vous disant portez-vous bien tout le monde, et à la prochaine pour un prochain gameplay découverte. Ciao tout le monde.